Bonsoir à tous. Au sommet de cette édition, risque de baisse du rendement agricole dû à la sécheresse et autres, le projet de gestion des risques agricoles et alimentaires comme solution. En plus du projet, le mécanisme d'assurance a été présenté aux producteurs de la boucle du monde. On en parle en début d'édition. Construction locaux RTB et Sidoya Centre S, les chantiers avancent bien. Le ministère est allé faire le constat dans la cité de Navazungrana, le point de la visite dans ce journal. Merci de nous suivre. Il est désormais possible pour les producteurs agricoles de protéger leurs exploitations contre les risques de baisse de rendement dus au changement climatique. C'est tout le sens du projet de gestion des risques agricoles et alimentaires PRA, un projet présenté aux acteurs de la région de la Boucle du Moun hier à Dédougou, Yves Rwamba et Karim Ouedrago. Les sécheresses et les insuffisances de pluie contribuent à la baisse des rendements agricoles. Le gouvernement, à travers le projet de gestion des risques agricoles et alimentaires, donne l'opportunité aux producteurs agricoles d'assurer leur production. Pour donc bénéficier de cette assurance, d'abord, pour cette phase pilote, il faut donc faire partie donc de la région de la Boucle du Moun et aussi souscrire à la prime. La prime est de 12 000 francs par hectare. Et ça couvre la sécheresse. Et une fois que l'événement s'est produit, le producteur est indemnisé à un maximum de 130 000 francs l'hectare. Donc pour se remettre en selle et pouvoir encore récupérer les investissements qu'il a eu à faire sur son champ. Cet atelier a pour objectif de susciter l'adhésion des acteurs à ce mécanisme d'assurance agricole. L'État burkinabé subventionne la prime à hauteur de 50%, soit 6193 francs CFA l'hectare. Pour cette campagne agricole, seule la spéculation maïs est concernée. C'est un produit véritablement qui répond à un besoin réel sur le terrain. Et je ne doute pas que les acteurs, une fois qu'ils auront compris tous les avantages et les possibilités qu'offre ce produit, ils vont y adhérer assez massivement. Les paysans courent un risque en cas de sécheresse. Donc vous pouvez avoir une perte totale, une perte partielle. Donc si cela arrive, l'assureur va intervenir. Dès que la campagne termine, on va s'asseoir, calculer, voir la zone, est-ce qu'elle est dite sinistrée ou pas. Si c'est sinistré, dès qu'on fait le calcul, la SONAR, en un mois maximum, va payer les indemnités. Débuté en 2019, le projet de gestion des risques agricoles et alimentaires a une durée de 5 ans. Il concerne les régions de la Boucle du Moun, de l'Est et du Centre-Ouest. La saison des pluies intervient encore cette année avec son flot de reboisement au Burkina. Beaucoup d'arbres plantés, mais combien survivent-ils? À Tinkodougou, les techniciens de l'environnement ont mis au point une technique fiable en matière d'entretien et de protection des plants. Présentation de cette technique avec Konsoum Koulibaly et Tanga Kafando. Planter, un geste qui paraît banal, mais qui requiert de la technicité et le respect de certaines normes. Au Burkina Faso, ce sont des centaines de milliers de plants qui sont mis en terre chaque année, des opérations dont le faible taux de réussite s'explique par plusieurs facteurs, dont la non-maîtrise des techniques de plantation. La toison, il faut se dire que ça se fait de plusieurs manières. Si c'est un fruitier, le trou doit avoir 60 cm de diamètre. Mais si ce sont des espèces, d'autres espèces, qui ne sont pas des fruitiers, vous pouvez faire du 40 cm sur 40. Comment même creuser? D'abord, il faut remettre les terres. La première terre un peu vers la gauche et la seconde terre, c'est-à-dire la terre qui est en bas, vous mettez ça à droite pour ne pas vous tromper. Et ensuite, vous renverserez les terres, c'est-à-dire celle qui était première devient maintenant au niveau du haut. Voilà. Et puis vous refermez. Après le dimensionnement du trou et l'agencement des terres, il y a la plantation à proprement dite. Pour le colonel des eaux et forêts, beaucoup par ignorance enterrent le plant en lieu et place de le planter. Vous ne devez pas planter jusqu'aux feuilles, parce qu'en ce moment, vous appellerez enterrer et non planter, parce que le plant là va mourir, il va s'asphyxier. Donc, vous allez mettre le truc là, vous prenez votre plant, vous déchirez le fond et vous déchirez perpendiculairement. C'est-à-dire qu'au pouvoir, il faudrait que le plan là ne s'effrite, la motte de terre là ne doit pas se casser. On appelle ça s'effriter. Et vous prenez ça,
vous poser soigneusement pour que la mode de terre ne se casse pas. Vous remettez la terre, vous redressez votre plat pour qu'il soit droit. Et vous remettez maintenant la terre tout autour. Et lorsque le plat est mis en terre, il est important de ne pas laisser le plastique sur place afin d'éviter de polluer le sol ou d'empêcher l'infiltration des eaux. Tanga Kafando, cette technique avait certainement tout son sens à la journée régionale de l'arbre au Sahel célébrée à Douri. Pour la deuxième édition, 33 000 plants composés d'arbres non lieux sont mis en terre. À l'ensemble de la population, le gouverneur de la région a appelé à la mobilisation pour l'entretien des plants. C'était en présence de Ibrahim Kagoné et de Pini Dieyanou. Et c'est parti pour la deuxième édition de la journée nationale de l'arbre dans la région du Sahel. À cet effet, 33 000 arbres seront mis en terre sur 40 hectares. Nous avons un ensemble d'arbres qui sont des espèces pourvoyeuses de produits forestiers non lieux et surtout des espèces forestières qui sont adaptées à notre Sahel. Donc c'est essentiellement de l'acacia radiana, de l'acacia sénégal et de l'acacia nulotica. Aujourd'hui, c'est le regarnissement, ça veut dire que c'est là où ça n'a pas marché qu'on remet les plats là pour que tout marche bien, que tout le site soit bien verdoyant. Et notre objectif, c'est la verdure au Sahel. Le site est situé non loin des habitations des déplacés et au gouverneur de la région du Sahel de donner des conseils à ceux-ci pour la protection de ces arbres. Nous avons cette particularité d'abriter beaucoup de personnes déplacées internes. Une des choses qu'il faut que nous surveillions, c'est la protection de l'environnement. Parce que généralement, quand les gens se déplacent, des besoins nouveaux sont là. Je leur ai expliqué qu'en partant d'ici, c'est ce que nous souhaitons, que l'année prochaine, ils retournent dans leur champ, dans leur maison, qu'on puisse aller leur dire merci pour ce que vous avez fait, parce que vous avez laissé des arbres au Sahel que vous avez plantés. Cette année, la FAO, à travers son sous-bureau d'Ori, accompagne la région de Sahel avec 30 000 plants répartis dans les communes de Sitenga, Bani et Dori. L'arbre a également été célébré le week-end dernier à Tapamasgo, dans la commune de Diabo, dans l'est du Burkina. Là-bas, 600 hectares ont été consacrés à divers plants comme le baobab et le néri. Sous le thème « Arbre, santé et résilience climatique », 300 000 plants sont mis en terre, nous disent Aruna Kabori, Dandi Banga et Aruna Mari. C'est dans cette ambiance que les autorités régionales de l'Est sont accueillies à Tamasgo, dans la commune de Diabo. Elles sont là pour donner le top de départ de la campagne de déforestation à l'Est. Arbres, santé et résilience climatique, c'est le thème de cette deuxième édition de la Journée nationale de l'arbre dans la région de l'Est. Il y a des espèces végétales qui sont de vraies pharmacies. Quand on prend par exemple le Federbia, Albida, Zahanga, Amore, quand on prend l'Acacia nulotica, tout le monde connaît les vertus de cette espèce-là. Donc c'est pour cela qu'on les a plantés ici pour que, premièrement, ça puisse renforcer le couvert végétal, mais également que les populations puissent les utiliser pour se soigner. Nous sommes dans un domaine grillagé, où c'est bien clos, où on est sûr de la survie des plants que nous mettons en terre. Et c'est l'objectif désormais recherché. Et il ne s'agira pas de reboiser à grande échelle et de laisser les animaux vont brouter ou bien on ne pourra pas arroser. Après une démonstration sur la technique de reboisement, plusieurs plants de diverses espèces sont mis en terre sur ce site de 600 hectares qui doit accueillir au total 300 000 plants. Ça répond à nos besoins réels. Comme vous savez, nous avons un plan communal de développement et nous avons mis un point d'honneur sur la gestion des ressources naturelles. Donc cette réalisation vraiment nous va droit au cœur et nous allons poursuivre également l'œuvre qu'ils viennent de commencer aujourd'hui. La première édition s'est tenue à Fadan Gourmand avec plus de 2000 plants d'espèces locales mis en terre et au moins 80% des plants ont survécu selon les premiers responsables en charge de l'environnement.
à Manga, il s'est agi de renforcer la forêt villageoise du Basse-Ghana avec 3000 arbres. Un exercice mené par les populations du centre-sud qui ambitionnent mettre en terre 600 000 plants pour cette deuxième édition. La journée de l'arbre à Manga avec Daouda Ouattara et Sébastien Zongo. 19 ans, le jeune Abdulaziz plante pour la première fois un arbre après avoir appris la technique auprès des agents des eaux et forêts. Je vais aller passer visiter l'arbre que j'ai planté, voir si il est en bon état, quoi, en bon fonctionnement pour devenir, pour que je puisse montrer à mes camarades que j'ai eu à planter un arbre. L'occasion lui est offerte à la Journée nationale de l'arbre, commémorée cette année au plan régional et national sous le thème Arbre, santé et résilience climatique. Une thématique qui invite à planter utile sur des sites sécurisés. Les arbres sont utiles, mais à des degrés divers. Qu'est-ce qui intéresse les populations? Qu'est-ce que les populations veulent? Voilà, ce sont ces arbres utilitaires tels que le baobab, tels que le capoquier, ça c'est des noms vernaculaires que les gens connaissent bien, les usufus, en tout cas des arbres qui produisent des fruits. Cette deuxième édition de la Journée de l'arbre permet de mettre en terre 3000 plants pour constituer une haie de protection et pour renforcer le couvert végétal de la forêt villageoise de Basse-Ghana dans la commune de Manga. La population de Basse-Ghana qui a bien voulu nous octroyer 2 hectares, en tout cas pour faire un site pour le reboisement. En tout cas, nous tenons à leur dire merci et ils auraient pu vendre leur terrain comme c'est la pression foncière actuellement. Mais ils ont jugé utile et bon d'accorder ce site de 2 hectares-là pour le reboisement. Et c'est ainsi parti pour la mise en terre de 600 000 plants pour le compte de la région du Centre-Sud à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre, édition 2020. Autre actualité dans ce 19h, les chantiers des locaux de la RTB de Sidoya à Tinkoudougou avancent bien. C'est du reste le constat fait par le ministre en charge de la communication qui est allé s'imprégner du niveau des travaux. Le point de la visite avec Konsoun Koulibaly et Tanga Kafando. Nous sommes sur le chantier du siège de la direction régionale des éditions Sidoya à Tinkoudougou. Un chantier composé du bâtiment principal de R+1 abritant des bureaux, une salle de rédaction, une imprimerie et des ouvrages connexes. L'entreprise enregistre un léger retard, mais le niveau des travaux est estimé à 93%. Au siège de la direction régionale de la RTB, tout est presque fini. Le bâtiment comporte une dizaine de bureaux, une salle de rédaction, des magasins, des studios et régies télé et radio, munis d'une alimentation solaire. Des réalisations faites malgré le contexte du COVID-19, et qui satisfont le ministre en charge de la communication. Je félicite les entrepreneurs. Les conditions ont été difficiles. D'abord dans la mise en œuvre même des projets. Ensuite, vous avez tous connu les difficultés de 3 à 4 mois avec la situation de la maladie à coronavirus COVID-19. Donc je crois que sur ces questions-là, nous sommes satisfaits. Nous ne pouvons que les encourager à terminer. On a vu Sidoya qui est un superbe chantier et avec une visibilité qui a vraiment rien envié à ce que nous avons même à Sidoya, à Ouagadougou. On a vu également la RTB qui a un beau chantier et je crois qu'il faut féliciter les DG qui ont mené à bien ces constructions-là avec des entreprises qui ont été résilientes et qui ont permis justement à ces projets-là de faire corps et d'apparaître effectivement aujourd'hui. Je voudrais terminer en disant que c'est fini presque, il reste maintenant le travail et c'est pour rapprocher les citoyens de l'information, pour rapprocher les citoyens donc de la communication gouvernementale. À marge de la visite des chantiers, Rémi Filgans, Kian Yunou et sa délégation ont effectué une visite de courtoisie à Nabagirmpoulé, roi de Tinkoudougou, Dima de Zungurantenga. Voilà, on s'arrête ici pour cette session d'information. Bonne suite de programme sur la télévision du Burkina. Am kan kan yir tanga ko fladuma a follow.